Bonsoir et bienvenue dans l'heure des questions sur rmif.com. Assalamu alaikum Maremou, salam alaikum la sumpu nokati et bienvenue sur rmif.com. Dans ce nouveau numéro de l'heure des questions, nous allons recevoir Yimbi Kouma, artiste mauritanien connu et populaire. Nous allons revenir ensemble sur sa carrière avec nos chroniqueurs ici présents. Mais avant d'en venir à tout cela, permettez-moi d'apporter quelques précisions. La première, pour toutes les personnes qui souhaitent participer à cette émission, c'est possible, vous pouvez nous laisser vos commentaires. Vos commentaires, nous vous prions de les laisser sur les pages de rmiinfo.com, à savoir rmiinfo.com, la page Facebook également, Rime Croisée sur rmiinfo.com et la page Facebook. Regarde d'ailleurs sur rmiinfo.com. Tout ça pourquoi? Parce que la semaine dernière, nous avons remarqué des commentaires très intéressants, mais que nous n'avons pu voir malheureusement qu'à la fin de l'émission, après le direct. Je pense à ce commentaire de Ismaël Camara, je pense à ce commentaire de, comment dire, d'autres rappeurs comme Yvan Le Baron. Donc voilà, c'était très intéressant ce qu'il disait des rappeurs ou sinon Yvan Le rappeurs. Hein. Baron. Mais voilà, donc pensez s'il vous plaît à nous laisser des commentaires ou des questions adressées directement à l'adresse, à notre artiste invité directement en bas de la page rmiinfo.com. Regarde d'ailleurs sur rmiinfo.com ou bien rime croisée sur rmiinfo.com. Les commentaires qui seront faits dans les groupes, malheureusement, nous ne pourrons pas forcément les voir en temps voulu. Deuxième précision, c'est que Youssouf Chaïdi sera bientôt parmi vous pour présenter cette émission et voilà pour aller plus loin. Donc sans plus tarder, nous allons aller plus loin dans l'émission. Yumbi Kouma, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Saïdou, bonsoir tous les chroniqueurs. Voilà, ravi d'être Bonsoir. parmi vous ce soir et j'espère que vous n'allez pas me flinguer boum 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 par vos questions. Sinon, c'est le mois de Ramadan, il n'y a pas de flingue. Moka, Non, même si bonsoir. on a Youssouf, des flingues, bonsoir. c'est chargé d'amour, Bonsoir t'inquiète. Saïdou, nos flingues sont chargées d'amour et Je on suis voit que tu es en flatté, je suis parabole, donc rassuré. t'inquiète. Voilà. Donc, comme on a dit, c'est la soupe pour le rati. On est nous dans nous. Voilà, on va Ouais, essayer de faire quelque c'est la chose famille. qui soit bien pour tout le monde. Yimbi Kouma, on ne vous présente plus, en tout cas, surtout dans le milieu hip-hop mauritanien. Vous y êtes connu et reconnu. Vous avez déjà fait des choses. Je pense à votre album Ridé qui est sorti en 2014. Mais j'ai envie tout de suite de vous demander la question suivante. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire de la musique, votre point de départ? Oui, en fait, je pense que ce qui m'a motivé, c'est que surtout pas la musique en général, mais surtout le rap, c'est parce que peut-être que même si on n'est pas de la même génération, c'est pas très loin. Certains sont plus âgés que moi ou de même génération. C'était les années 2000, fin 99, 18. On connaissait quels sont les rappeurs de notre zone qu'on écoutait bien. C'était le rap sénégalais. Et comme moi aussi, je suis mauritanien, j'étais élève, j'étais lycéen, collégien. Donc voilà, c'est ce qui m'a permis. J'étais révolutionnaire, j'avais envie de dénoncer des choses, je revendiquais certaines choses. Et je trouvais que ce qui me permettait d'avoir, de m'exprimer, c'était le rap. Ce qui était plus proche, c'était le rap pour moi. Et c'est comme ça que j'ai épousé le rap, je dirais. Alors, c'est comme ça que j'avais épousé le rap. Mais avant Ouais. d'aller plus loin, j'aimerais quand même qu'on reste dans le contexte général d'aujourd'hui. C'est le Ramadan, c'est le confinement. Comment est-ce que vous vivez tout ça? Si je ne vous pose pas cette question, ça serait haram de ma part. Ah ouais, ça c'est Hein. clair. Oui, ça va déjà le Ramadan. Nous demandons à Dieu de pardonner tous les musulmans et même les non-musulmans. Et ce jour béni de Ramadan, ce que nous cherchons, c'est le Laylatul Qadr. Et j'espère que, voilà, nous allons tomber sur ce béni jour, voilà, de Ok. Laylatul Qadr. En Donc, tout cas, non. que vos prières soient entendues Amin. et exaucées. Voilà, oh, comment dire, pour ceux qui connaissent Yumbi Kouma, ils connaissent Yumbi Kouma militant, ils connaissent Yumbi Kouma artiste. Vous avez produit et sorti beaucoup de titres qui sont connus pour certains aussi. Il y a une nouvelle casquette qui s'est rajoutée depuis l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, ça c'est actuellement c'est ça. Comme tu dis, nouvelle casquette. Je suis producteur manager. Ouais, donc je suis artiste producteur manager. Aujourd'hui, je produis des artistes. Je veux devenir producteur. J'ai fait une formation et de producteur et de manager. Et mon rêve c'est de produire des artistes, surtout les accompagner aussi pour leur réussite. C'est que moi j'ai Ok. pas eu la chance d'avoir. Voilà, justement, vous nous disiez, voilà, en off, voilà, vous voulez donner la chance à certaines personnes d'aller plus loin que vous, ce que vous avez fait.
comment dire, c'est cette vocation de vouloir faire passer d'autres aussi, même si on vous a aidé à un moment donné, vous aussi, vous voulez aussi aider d'autres jeunes artistes? Ouais, en fait, ce qui m'a surtout poussé, c'est en fait, à un moment de ma vie, je suis arrivé à un niveau. Tu sais, le rap, quand on débute, on peut tout faire pour nous. C'est-à-dire, on peut faire plein de choses, mais ça, c'est pour se faire connaître. Mais arrivé à un moment, il faut avoir les gros moyens pour avancer. Il faut avoir un grand producteur ou un grand ménage qui peut t'amener. Et moi, je n'avais pas tout ça. Et je ne le voyais pas parce que je me suis dit, je n'étais pas le seul. Et même j'ai écouté l'interview de Dioro, il a dit presque la même chose. En fait, au bout d'un moment, on est en stop, en fait. On se dit, on ne peut pas dépasser cette étape-là. Donc, raison pour laquelle, d'ailleurs, tu vois les jeunes arriver, ils arrivent jusqu'à ce niveau-là. Quand on regarde le rap mauritanien, c'est le même niveau. Les jeunes qui arrivent, il arrive, dès qu'il arrive, il s'arrête au niveau des autres et on n'arrive pas à dépasser ce niveau-là. Donc, Merci c'est pour. Mwikuma, merci, on aura compris. Voilà, il y a un plafond de verre. Ce plafond de verre, vous proposez Exactement. aujourd'hui de le, comment dire, de briser ce plafond de verre. Mahmoud a une question ou en tout cas un regard. Oui, bonjour Yimbi. Donc, je Ouais, vais un peu Mahmoud. revenir sur votre parcours. Vous avez commencé à faire du rap en Mauritanie, notamment à Nouakchott, sous le nom de Jaspi Kouma, c'est ça? Exactement. Ça, c'est Cependant, l'ancien nom. exactement. Ah ouais. Cependant, ce n'est qu'après votre départ en France qu'on peut voir vos textes ont pris une certaine tournure plus engagée, plus dénonciatrice, notamment par rapport à l'esclavage et plus précisément dans le milieu soninké. Vous avez ensuite produit un album en 2014 qui s'appelle Khidé, dans lequel on peut retrouver des sons comme Féodalité, où vous abordez largement le sujet et vous parlez aussi des inégalités. Par ailleurs, d'après nos sources, comme vous le confirmez d'ailleurs, vous avez fait une formation dans le management musical et vous avez même fait un stage au niveau de la SACEM, qui est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, qui est une association Non, française. non, 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 moi je ne l'ai pas fait à la SACEM. Non. OK. Non, non, non. Ouais. Non, OK. non, non. Alors, précisez-nous les choses. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez Exactement. fait? Ouais, en fait, moi, ça fait pas le moment où j'ai fini juste ma formation, ça tombait avec le confinement. Donc, les stages, je dois le faire à. Il y a un centre musical ici à Nantes qu'on appelle Trampolino, mais quand on tape sur Internet, on peut le trouver, c'est Trempo. Donc, c'est là-bas que je dois faire mon stage et je serai là-bas aussi en tant que formateur occasionnel. Donc, si tout Et va la bien, Inch'Allah. formation, c'est dans quel domaine? Le stage, c'est dans quel domaine précisément? Oui, en fait, moi, la formation, c'est en tant que manager et producteur. En fait, c'est d'accompagner les artistes à réussir. Cela veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que les artistes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent tout simplement, j'entends beaucoup d'artistes dire, moi, j'ai envie de protéger, par exemple, mes musiques. Mais qu'est-ce qui est derrière cette protection-là? Est-ce que c'est vrai, tout artiste devait protéger sa musique? On va y venir, Yimbi. Oui. On va venir à ça. Je vais te demander plus de précision par rapport à ça. On sait aussi qu'on a vu qu'il y a une compilation qui est sortie. On te voit à l'affiche, une compilation qui s'appelle Gambanahu, Oui. n'est-ce pas? Donc, est-ce que vous pouvez revenir justement sur cette expérience dans le management musical et nous expliquer comment justement les artistes pourraient utiliser ces mécanismes, donc les associations, les sociétés de droits d'auteur et autres, à leur avantage? Comment nos jeunes rappeurs qui sont en train de venir peuvent utiliser ça à leur avantage et peuvent se baser sur ça pour construire leur carrière? Ouais, mais comment il va faire? Déjà, moi, en ce qui concerne, je ne vais pas mentir, c'est très compliqué en Mauritanie. Cela veut dire que les droits ici en France et les droits de production et de ménage et d'artistes et tout et d'accompagnement de la France ne sont pas les mêmes en Mauritanie. Ici en France, par exemple, comme tout à l'heure, vous avez parlé de la SACEM. Quand on est débutant, on peut trouver certains financements à la SACEM. Ici en France, quand on est structuré en association un tout petit peu, tu trouves pas beaucoup, mais surtout si on a un label, si tu as un label, une maison de disques, si tu arrives à signer là-bas, ils peuvent t'accompagner, ils peuvent t'aider plein de choses.
tu peux bénéficier des accompagnements vraiment plus approfondis. Mais en Mauritanie, je ne pourrais pas parler parce qu'il n'y a pas toutes ces structures-là. Donc, si on parle du général, je peux en parler et je peux expliquer. Mais quand on parle de la Mauritanie, ça sera vraiment limité parce qu'il n'y a rien en place en Mauritanie. Mais en France, franchement, il y a de tout. Ici, en France, si on est vraiment structuré, on a tout et tout et tout pour réussir. OK. Okay. Aussi, excuse-moi, tu as parlé un peu de la compilation aussi Gambanaro, effectivement, que j'ai fait avec mon ami MCT, voilà, Chondi. Voilà, donc c'était vraiment, 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 vraiment. C'était extraordinaire, c'était des moments inoubliables. Et si on me demande de le refaire aussi, je vais le refaire. J'ai travaillé avec des artistes qui étaient professionnels, des artistes aussi qui étaient là, qui ne pensaient pas seulement à l'argent, mais qui pensait aussi à la réussite, qui pensait aussi à l'avancement de la musique mauritanienne. Et en même temps, en remerciant mon association, qui est l'association, notre association, Gambanaro Fede, qui m'a permis d'avoir ces gros moyens pour sinon, sans cette association qui m'a permis d'avoir ces financements-là, je ne pourrais jamais réaliser ces rêves-là. Avant d'aller plus loin, j'ai une question avant de redonner la parole peut-être à Mahmoud ou à Moka. Comment dire, on voit bien voilà, que vous remerciez Gambanaro, vous remerciez également tous ces artistes qui ont porté en tout cas cette générosité artistique avant tout. Je pense à toutes les personnes qui ont participé à cette compilation, notamment à... comment dire, notamment à Authentique, à des artistes comme ouais, Kara Authentique, et d'autres encore. C'était vraiment un mélange. Authentique, c'était la nouvelle génération. Oui, et d'autres encore. Et Big César, voilà. Big César, c'est le school, tu vois. Donc voilà, il y a du tout. C'était vraiment, mais c'était avant tout la générosité des artistes qui étaient là au rendez-vous. Mais dites-moi, est-ce que vous pourriez nous expliquer, vu que voilà, vous avez maintenant un tout petit pied quand même là-dedans, même si ce n'est pas encore fini, on l'aura compris, vu que SACEM, c'est un organisme international. Est-ce que quand on est artiste, on est en Mauritanie, on peut protéger ses œuvres via la SACEM? Bon, moi, je dirais que la SACEM, c'est le seul organisme, en tout cas, c'est le seul organisme où tout le monde peut protéger, qui peut défendre tous les artistes partout dans le monde. La SACEM, c'est l'organisme, le seul d'ailleurs, en tout cas, que moi, je connaissais en tout cas en France, le seul. Si tu veux, tu protèges tes œuvres aux États-Unis, en France, il peut aller te défendre si quelqu'un les touche. Mais est-ce que c'est rentable pour un Mauritanien de s'adhérer à la SACEM? Parce que c'est quoi la SACEM? Comment on peut trouver, cela de l'aide, surtout cela de ses droits, gagner ses droits à la SACEM? C'est comment les artistes doivent le savoir. Aujourd'hui, pour que tu puisses avoir tes droits à la SACEM, des droits de musique, il faut que ça trouve tes chansons marchent dans les télévisions, dans les radios, dans les clubs, dans les, je sais pas, dans plein de... C'est là que ça sème. Il faut que la personne soit jouée. Oui. Oui, voilà. Mais aujourd'hui, les artistes mauritaniens ne sont pas joués ici en France. Par exemple, si Advice maintenant, il était inscrit à la SACEM et qu'il y a plein de radios ici en France ou dans le monde qui fait passer les clips d'Advice, il y a des doigts qui vont tomber. Si il y a des clubs ici en France, si ces clubs-là, ils font passer les chansons d'Advice, automatiquement, SACEM, il y a certains clubs ici en France où il a mis des boîtes noires dans des logiciels. Dès que tu joues la chanson, tu sais, chaque musique, normalement, chaque musique, il y a un code qu'on appelle code IRSC. Voilà, donc ce code-là, ça, c'est l'identité de chaque œuvre. Chaque morceau, chaque œuvre a son identité. Donc, automatiquement, n'importe quel club dans le monde, aux États-Unis, partout, qui joue ta musique, la télé ou la radio, donc la SACEM détecte automatiquement. Ils ont d'autres trucs que nous, on ne connaît pas. Mais ils détectent que tu as des droits, tu as des droits à recevoir. Et la SACEM accumule ces droits-là pour les remettre à l'artiste. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'artiste mauritanien, voilà, peut
Peut-être le faire, mais il n'est pas en France, il ne peut pas avoir ces droits-là. Mais oui, là. Yumbi, comment comment dire, je parle peut-être sous votre comment dire, sous votre contrôle, et je dirais aussi sous le Non. contrôle de Sira Dramé, qui s'y connaît également, la grande sœur Oui, Sira Dramé oui, oui. en droit. Je pense, je ne suis pas sûr, en tout cas, qu'il devrait se rapprocher des Oui, gens ben, comme c'est une vous grande pour musicienne, savoir là, s'ils justement. sont, s'ils peuvent protéger leur œuvre. Dans tous les cas, protéger ses œuvres, c'est toujours mieux avant, C'est voilà, clair. de si jamais elle est jouée quelque part pour que la personne puisse acquérir ses droits. Je À redonne la acquérir ses parole droits. à Mahmoud avant de passer à Moka. OK. Je reviendrai plus tard un peu sur le mécanisme, comment s'inscrire, est-ce que l'artiste va payer de l'argent et tout ça. Mais D'accord. avant, je vois que vous parlez un peu du management musical et du fait que le rap doit pouvoir faire vivre. D'ailleurs, j'ai suivi un live de Le Baron et vous insistiez beaucoup ce jour-là, je me rappelle, sur le fait que on doit. Le rap doit nous faire vivre. Ouais. Je ne sais pas si vous vous rappelez bien de ça. Je me rappelle bien parce que Baron, OK. après ça, on s'est eu en privé. On s'est eu en privé, il m'a appelé parce qu'il pensait qu'il m'a vexé et tout. Il m'a appelé pour me dire non, mon frère, je n'étais pas vexé parce OK. que ce n'était pas le sujet, mais peut-être prochainement, on parlerait de ça. OK. Effectivement. OK. Est-ce que maintenant la production de Gambana Roux vous a rapporté quelque chose? Bon, effectivement, je vais parler de ça. L'objet, le moment où je produisais cet album de Gambana Roux, je connaissais absolument rien de ce marché-là. Mais effectivement, arrivé en France, dès mon retour, il a fallu que cet album soit distribué. Et comme moi, Dieu merci, j'avais des relations avec le distributeur numéro un européen qui est Belive. Donc, j'ai essayé de regarder mes contacts là-bas. J'ai contacté quelqu'un, j'ai dit que moi, actuellement, je me suis lancé dans la production, donc je produis un album en Mauritanie. Cet album doit sortir parce que l'album est sorti en concert, mais les chansons ne sont pas là, on ne les a pas mis sur le marché pour les vendre. Donc là, tout de suite, ils m'ont dit, pour faire cela, il faut ceci, il faut cela. Donc en ce moment, j'étais obligé, là, de me structurer vite fait comme ça, mais en disant que je me suis structuré en Mauritanie parce que Belif ne donne jamais. En contrat, cela ne signe jamais avec des particuliers en fait. Il Ok, faut être avec un des personnes label et humaines. structuré parce que c'est des grands trucs. Donc moi, je me suis fait genre comme si mon label est en Mauritanie, c'est une société. Et donc là, ils m'ont désigné en tant que représentant de Belive en Mauritanie. Donc, en attendant, là, moi, j'avais la chose. J'ai dit que maintenant, il faut que moi, je signe le contrat pour sortir de la chanson. Ils m'ont dit non, mais d'attendre, il faut qu'on soit structuré. Cela veut dire que moi, quand aujourd'hui on me donne, je signe ce contrat avec eux, et qu'une sortie devait arriver, cette sortie devait bénéficier de tous les accompagnements pour qu'ils puissent réussir. Mais moi, là, il fallait que ça sorte parce que ça ne pouvait pas traîner, ça sort. Je profitais, je sortis cette première sortie sur Belif. Mais malheureusement, on n'a pas eu la chance parce que chaque personne, moi, qui a signé avec Belif, il me donne un label manager. Je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi un label manager. Un Explique, label explique. manager, ouais, un Expliquez. label manager, cela veut dire que toutes les maisons de disques aujourd'hui, Sony, n'importe toutes les structures, ils ont des label managers. C'est ces label managers qui vont aller directement négocier avec Spotify, avec Deezer, avec toutes les plateformes qui distribuent la musique. Aujourd'hui, pour qu'un artiste gagne dans sa musique, une sortie de ses singles surtout qui gagnent. C'est-à-dire qu'il faut qu'on te mette dans des playlists. Voilà, parce que surtout des artistes qui ne sont pas connus. Quand tu as la chance qu'on mette ta musique dans une playlist, c'est là que tu pourras avoir plein de streaming pour gagner de l'argent. Mais entre-temps, moi, on m'a mis avec une label manager qui est extraordinaire, qui était un ex-manager. Aujourd'hui, je vais dire son nom parce qu'on n'est plus ensemble aujourd'hui. Elle m'a écrit récemment un message qu'elle a démissionné de ses fonctions. Donc, je peux dire son nom. D'habitude, c'est les noms comme ça, j'accepte pas parce que c'est mon cercle. J'ai envie de protéger un peu pour ne pas. Voilà, mais bon, peut-être elle pourra entendre son nom. Donc, elle s'appelle Francine Pipins. Je pense que c'est comme ça. Elle est ex-manager de Nyx, le rappeur sénégalais. Donc, elle est la créatrice. Vous pouvez taper sur Internet, vous allez la retrouver. Elle est Gaoulo Estidio. Au Sénégal, actuellement, elle est partie. C'est une métisse, elle est née ici en France, mais elle est partie s'installer au Sénégal. Actuellement, elle travaille au Centre culturel du Sénégal, qu'on appelle maintenant, c'est quoi, les Alliances françaises. Donc, elle, on avait eu un entretien, mais ce qui est difficile, je vais le dire, c'était qu'il faut que je donne toute la biographie des artistes mauritaniens. Et malheureusement, je vais vous dire,
C'est compliqué, les rappeurs mauritaniens ne sont pas structurés. Parce qu'elle, quand elle vient voir les gens de Spotify, il faut qu'elle vende l'artiste. Parce que ces gens-là, ils vont dire c'est qui eux. Il m'a demandé, il m'a dit, mais Yimbi, les artistes que tu as choisis, tu as dit que c'est les meilleurs. J'ai dit que c'est les meilleurs artistes mauritaniens. J'ai dit qu'il y a deux qui ne sont pas dedans. J'ai dit qu'il y a Sipi et Advice qui ne sont pas dedans. Mais après Sipi, Advice, ces rappeurs qui sont dans la compilation, il n'y a personne devant eux. C'est le top des Mauritaniens. Donc, moi aussi, j'essaie de vendre. Et il m'a demandé leur biographie. C'était compliqué. J'essaie de me débrouiller. Mais les artistes mauritaniens, pour trouver leur biographie, ce n'est pas facile. Parce que moi, je trouve qu'il y a des artistes pourtant qui sont dans des labels. Ils doivent être aujourd'hui. Ces labels doivent structurer leurs artistes. Parce que on n'est pas aujourd'hui, les artistes aujourd'hui, ils ne sont pas que mauritaniens. Ils peuvent être internationaux. Donc, je pense qu'ils devaient être restés. Donc, on était Merci dans Yumbi ça. Kouma, on aura compris. En tout cas, vous êtes encore en formation, mais vous essayez tant bien que mal de porter votre casquette déjà et manager et en tout cas d'encadreur pour les musiciens, même si vous restez encore une fois artiste jusque-là. Donc, on va parler d'art et on Ah, va tout à parler de fait. vos productions artistiques, j'ai envie de dire. Moka, vous avez la parole. Alors, rebonsoir, Amy. Bonsoir, tout le monde. Repose à Alors, Boca. j'aimerais rebondir sur vos propos. C'est vrai que nos artistes, malheureusement, ils ne sont pas très structurés. Dans le sens où, actuellement, on a des labels qui viennent s'installer en Afrique. On a la chance Ouais, franchement, c'est d'avoir mieux les qu'avant. majors qui s'installent. On a Sony qui s'est installé en Côte d'Ivoire, qui signe des artistes africains. On a les Universal et autres. Donc, ces artistes, ces majors-là plutôt, pour qu'ils signent nos artistes, il faudrait que nos artistes sachent, il faut qu'ils aient un minimum de circulation possible. Il faut qu'ils aient un label, il faut qu'il y ait des fiches de presse, il faut qu'ils aient une biographie, il faut qu'il y ait des albums, des productions sur le marché qui soient inscrits sur les plateformes de stream légales. C'est très important et voilà. Vu que vous avez souligné le sujet, donc j'aimerais rebondir un peu. Maintenant, en ce sens, la compile Banganakou dont on a parlé, qui est sortie en 2000, 19, pardon, qui porte le nom du mouvement au sein de l'association ARMPES, dans lequel vous militez activement dans la lutte contre l'esclavage dans le milieu des Soninké. Alors, sur ce projet musical, on y retrouve différentes sonorités portées par différents artistes issus de la scène urbaine mauritanienne. J'ai noté, entre autres, les participations de Authentique, on en a parlé tout à l'heure, 24 Kekara, Big César, Tonya Fia, entre Effectivement. autres. Voilà, donc je voudrais aborder avec vous ce projet sous deux formes. La première étant la conception du projet. Donc, en l'écoutant, j'ai justement pas eu l'impression que c'était un projet. Vous avez tout à l'heure évoqué le sujet en disant que vous aviez une certaine pression, il fallait faire quelque chose et tout. Et ça se ressent parce que, en écoutant la compilation, j'ai plus eu l'impression que c'était une sélection de musique pas faite dans le même esprit, pas dans la même énergie, pas dans le même temps. Il y avait ce décalage qu'on sentait au niveau des calibrages mix et également au niveau des sons. Et donc, le fait que je l'ai écouté, j'ai eu plus une impression d'avoir une sélection de playlists sur un ordinateur d'enfant de Raprim ou bien sur le téléphone d'enfant de Raprim qu'un vrai projet. J'aimerais vraiment avoir votre commentaire par rapport à ça avant Non, de passer au deuxième mais propos. c'est normal, je suis d'accord. Déjà, sachez que à ce jour, le moment où je prenais ce projet, je n'avais pas d'expérience sur ça. Et aussi, vous avez parlé aussi, en fait, j'avais laissé aussi le choix. Moi, je dirais que tu as parlé là du mot Gambanaru, que c'est une association. Oui, Gambanaru, on peut dire que c'est un mouvement Gambanaru Fédé. Mais le mot Gambanaru en soninké veut dire tout simplement démocratie. Donc, c'était juste un titre, comme les titres du Raprim qui étaient Naï Naï Fall à leur époque. C'était quoi le titre? J'ai Tout à oublié. fait. Il y avait d'autres titres, plein de titres comme ça. Donc, pour moi, Minzemen et c'était. autres, oui. Hein? Il y a eu également Minzemen où on a Oui, vu qu'il y a eu voilà. beaucoup de Donc, c'était rappeurs. juste Gamba. C'était coïncidé, c'est vrai que c'est Gambanaru. Mais Gambanaru veut juste dire démocratie. Voilà, c'était tout simplement ça. Mais je n'avais pas voulu. Tous les artistes qui étaient dans le dedans ne m'ont pas dit Yimbi, on est militants de Gambanaru. Non, ils étaient là pour la musique. Ils n'étaient pas là pour Gambanaru. Certains le savaient, mais beaucoup, ils étaient là juste parce que c'est une compilation. Ils avaient voulu, certains par respect, certains par. Je suis parti les chercher. Ils ont accepté d'être là parce que c'est la musique mauritanienne, ils ont envie de faire avancer la musique mauritanienne. Mais ce que je ne comprends pas, vous avez un peu critiqué le mix aussi? Non, 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 je n'ai pas critiqué le mix. Je dis qu'en l'écoutant, on a cette impression que les mix n'ont pas été, que le projet n'a pas été conçu comme projet. J'ai eu cette Oui, impression qu'il y bon, a des sons qui étaient prêts, qu'on a moi je rajoutés. comprends ça. Donc Oui, je voilà, reprends ça à c'est mes pas comptes. dans le C'était sens juste où peut-être que c'était un on manque va faire un projet. d'expérience parce que c'était une première fois.
j'ai pas de, de trucs. C'est pourquoi aujourd'hui, je me suis dit de faire tous ces trucs-là, il faut aller se former. Quand on a envie, on veut se lancer dans ces projets-là, on veut prendre des artistes et les rendre professionnels, il faut se former, il faut connaître comment il faut le faire. Mais aujourd'hui, si je veux faire sortir un autre projet, ça ne sera pas pareil parce que je sais qu'aujourd'hui, je suis structuré un peu et je suis dans un grand réseau international. Donc, cela veut dire que je pourrais apporter meilleur que l'autre. Mieux que moi. Donc, on espère que vous allez apporter de meilleures choses encore. Mais tout de suite, moi, j'ai une question là qui me taraude. Si vous n'en avez pas la réponse, moi, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Je pense que ce n'est pas grave parce que vous êtes Oui. encore, vous nous avez expliqué, vous êtes en train d'apprendre. Donc, moi, je Effectivement. vous encourage en tout cas Oui. mille fois et je suis sûr que vous allez apporter quelque chose à la musique mauritanienne et au-delà. J'espère, Donc voilà, ma j'espère. question, elle est, est-ce qu'à ce stade de votre apprentissage, vous savez, par exemple, dans un son de Gambanahou 2, s'il y a Gambanahou 2, si c'est Garnett qui fait le beat, Kara qui fait le rap, je ne sais pas moi, DJ Bax qui mixe, qui va gagner quoi et qui va gagner combien dans un tel son, par exemple? Ou bien si vous Bah, ne savez pas, on passe à autre chose, hein. non, Là, mais on non, mais apprendra bien sûr, après. je sais. Je sais, Voilà, parfait. Dites-nous. de toute façon, le droit du beatmaker, le droit de Garnett, personne ne peut, si c'est lui qui a composé le son, il a des droits que moi je ne pourrais jamais toucher, seul Garnett peut le toucher. Celui qui a composé le son, c'est Basic. J'ai mis son nom sur je l'ai appelé en direct, je dis Basic, passe-moi ton, donne-moi ton vrai nom sur ton identité. Je vais, parce qu'en mettant les noms, en mettant les sons sur les plateformes, il faut mettre le compositeur. J'ai dit, je veux mettre ton nom. Il m'a dit, non, Yimbi, les sons, je te les donne gratuitement, tu les prends. Je dis, non. Il y a des droits où moi, en tant que producteur de cet album, je ne pourrais jamais toucher parce que c'est pour toi. La droit de composition, je ne pourrais pas toucher parce que je suis pas, je suis le producteur. Je peux toucher les droits de production, mais je ne pourrais jamais toucher. Donc, Garnett, si son nom a été mis, Garnett, je ne pense pas parce que je pense qu'il a C'est un prodicacé exemple. l'information. Je C'est parle lui. dans le futur. Hein. J'ai dit Oui, oui. Gambana ou deux. C'est un exemple. Oui. Gambanahou 2, de toute Par façon, ils exemple, seront tous si jamais il y a déclarés. Gambana ou deux. Oui, ils seront tous, moi, ce que je pourrais faire à mon niveau, tous les beatmakers, les compositeurs, je vais les déclarer, Garnett, Tati, Tata. Un jour, si l'album, il cartonne, mais ce n'est pas à ce niveau-là, l'album, il fait 1 million, 2 millions de ventes, il cartonne dans le monde, il y aura des droits. Le jour où Garnett, il va venir en France, il part à la SACEM, il s'inscrit, il peut avoir ces droits-là, il peut trouver là-bas 10 000 euros, 20 000 euros, 5 000 euros, Alors, inattendu les comme gars, ça. alors les gars, les compositeurs, les artistes mauritaniens, Ouais. Yubi Kouma vient de vous donner en tout cas une piste à C'est ça. explorer. Faites de bons sons, protégez-les très bien, mettez vos noms là où il faut, peut-être qu'il y aura de l'argent Exactement. qui vous attend ou bien qui attend vos petits-enfants. Mahmoud, vous avez la parole. Oui, non, moi je voulais rebondir sur ça, Yimbi. Quels sont les coûts pour s'inscrire à la SACEM? Parce que tu dis que des fois que c'est à perte. Mais d'après ce que vous venez de dire, par exemple, Garnett, s'il, c'est un exemple, hein, Six. s'il signe un titre sur un son, sur un album, quel qu'il soit, ça peut être l'album de Yimbi qui est en France. Garnett, il n'est pas en France, mais comme Yimbi est en France et que son album va tourner là-bas, les droits vont revenir à Vont Garnett. tomber à Garnett. Donc, Personne, oui. c'est pour lui. C'est pour lui, Donc, ce serait personne ne peut le bien toucher. que Garnett s'inscrive déjà au niveau de la SACEM, par Ça exemple. sert. Donc, quel est le mécanisme? Comment on le fait? Combien ça coûte? Des choses comme ça. Bon, moi, je vais être clair avec toi. Moi, je dis, je ne vois pas d'intérêt pour des artistes qui sont en Mauritanie, mais des artistes mauritaniens qui sont en France, ils ont tout à fait intérêt. Par exemple, moi, je vais lancer ici un secret que beaucoup ne disent pas. Je vais t'expliquer. Rien que moi, Yimmin Kouma, je m'inscris à la SACEM en tant qu'indépendant, en tant qu'artiste, interprète. Je m'inscris à la SACEM, ça beaucoup d'artistes ne le savent pas. SACEM te donne ta droit quand tu fais ton premier album, ton deuxième album ou ton troisième album. Mais si tu es au quatrième album, tu sors dedans. Mais pour tes trois premiers albums, tu peux gagner maximum 4 500 euros avec la SACEM. Ça, c'est moi, Yimbi, qui te le dis. Tu peux Mais c'est demander ces gentil, aides-là. C'est pour toi, à la les SACEM. artistes mauritaniens, vous avez entendu? C'est gentil, Voilà, c'est c'est ta Yimbi Kouma qui droit. vous donne ça, c'est cadeau. Ça, voilà, ta droit. Tu peux aller le chercher, tu peux vérifier, tu vas trouver. Tu as droit à avoir 4 500 euros d'aide. Mais il y a une condition. SACEM va te dire, moi, tu vas m'amener des preuves. Il faut, parce qu'il a envie que SACEM, que tu as payé tes musiciens déjà,
Tu dis les musiciens qui ont composé les sons, celui qui a enregistré et tout, t'amènes la facture et je te donne que 50%. Mais en sachant, on peut aller jusqu'à 4000 euros. Mais les 4000 euros, si ton album c'était 1500 euros, moi je donne 750 euros. Si c'était 6000 euros, je donne 3000 euros. Mais il y a une autre structure que tu peux aller voir aussi. Lui aussi, il te dit que je te prends 50%. Il y a d'autres structures, il y en a plein, mais je ne vais pas tout dévoiler. Okay. Oui, comme ça fait. On aura compris, voilà. Yemikouma, il est en train d'apprendre, mais il a déjà quelques connaissances en la matière. Donc, les artistes qui veulent être encadrés, ils pourront se rapprocher. Mais je n'ai pas répondu à la question. Juste, excuse-moi. Donc, ceux qui sont en Mauritanie, je ne sais pas. Là, il faut que je le demande. Est-ce que, je sais que s'il était aux États-Unis, il peut s'inscrire à la SACEM. S'il était en Belgique ou à Londres, il peut. Mais est-ce que s'il est en Mauritanie, il peut le faire, mais je ne sais pas si c'est rentable parce que tu ne passes pas à la télé, tu n'as pas de droit, tu ne peux pas demander cette lettre d'enregistrement et tout. Parce que quand même, la SACEM, ces demandes-là, ils vont quand même t'exiger que ça soit français. Ça, c'est sûr. Que tu sois en France, pas à 100%, même si c'est à 20% en français. Parce que c'est la francophonie, ils dépendent aussi de leur langue. S'ils financent ça, c'est pour aussi protéger leur langue, quoi. Donc, ils te demandent quand même. On aura compris, on va avancer un peu dans les questions. Juste une précision avant d'aller. Oui. Juste une précision, donc en Mauritanie, je ne sais pas, mais je pense que c'est possible, dans le sens où à Conakry, c'est possible. À Conakry, par exemple, je connais moi des artistes qui sont là, qui sont inscrits au niveau de la SACEM. L'inscription a coûté dans les 100 et quelques euros. 150 euros, après, 150. Voilà, j'oublie le prix. Donc, du coup, il est précis, 150 euros. Alors, on aura pour l'inscription. Pour t'inscrire, aussi, il faut que tu prouves que tu as déjà un œuvre qui est déjà publiée, c'est-à-dire distribuée. C'est-à-dire, il faut juste aller sur, comment on appelle, sur Spotify, tu fais une capture d'écran, ou bien sur Google, Apple, là, c'est quoi? Non, Apple, tu fais une capture d'écran pour dire que... Apple Music, iTunes, oui, voilà, pour dire que maintenant, ta musique, tu n'es pas juste un artiste comme ça, ta musique est en distribution. Juste avec une capture d'écran. Voilà. Ça marche, donc, voilà, avec ça, on vous envoie de la documentation que vous allez exactement remplir, mettre vos vraies informations, et attester par écrit que ce sont vos sons qui sont sortis à telle époque, et voilà les preuves et tout. Et comme il a dit, bien sûr, avoir des sons enregistrés sur les plateformes de stream légales telles que Spotify, Deezer, Apple. Exactement, Music. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin, Yemikouma, vous qui avez vécu en Mauritanie, qui avez également des contacts, j'aimerais que vous répondiez sincèrement, rapidement, pour qu'on puisse passer à d'autres sujets, sincèrement, parce qu'on en a beaucoup. Oui. Est-ce que vous savez s'il existe une société de musique, en tout cas une société qui protège les œuvres d'art en Mauritanie? Je suppose qu'il doit y en avoir, parce que je sais qu'il y a une association des artistes mauritaniens et des artisans également. Est-ce qu'il y a une société qui protège les œuvres mauritaniennes ou bien des artistes mauritaniens? En tout cas, à mon niveau, je ne sais pas. En Mauritanie, vous ne pouvez pas le confirmer. Les Mauritaniens partent à la BSDA au Sénégal. Lorsque moi j'étais là-bas pour protéger leurs œuvres à la BSDA. Okay. Mais en Mauritanie, il n'y a pas de structure en place. Mahmoud. Ok. Merci Yimbi. Donc, je rappelle que vous êtes membre actif de l'association Gambanahou. On en a parlé. Oui, Gambanahou. Oui, qui est une association de lutte contre l'esclavage dans le milieu soninké. Oui. Dans une de vos vidéos, vous disiez d'ailleurs que vous regrettez, j'ai vu une vidéo que vous avez publiée sur votre YouTube, vous disiez que vous regrettiez une chose, c'est que ce mouvement n'ait pas été créé plus tôt. Est-ce que vous pensez que grâce à ce mouvement, à cet outil, vous pensez qu'il y a eu des progrès dans le changement de mentalité ou non? Ensuite, heureusement que Gambanahou est venu. Il était temps et c'est pourquoi je regrette que c'est venu trop tard. Il va finir sa question. Ensuite, votre combat, il est plus axé sur la communauté soninké. D'ailleurs, les textes de vos sons sont pour la plupart en soninké. Bien qu'on sache qu'il y a cette féodalité-là dans toutes les composantes culturelles de la Mauritanie, exactement. Ne pensez-vous pas que vous restreignez votre combat et que vous devez l'engager sur tous les bords? Donc, je pense que c'est mieux comme ça. Aujourd'hui, si Yimbi Nkuma, notre président Guy Traoré, dit aujourd'hui il y a l'esclavage chez les peuls, ils vont dire oh, arrêtez là, il y en a chez vous, allez régler chez vous d'abord. Pour moi, c'est aux peuls
de s'organiser aussi, de nous appeler, de dire on fait une coalition ensemble d'aller lutter contre l'esclavage dans le monde. Mais si Anthony qui le fait à la place d'Ampel, cela veut dire que voilà, c'est pas ta place, tu connais pas, tu maîtrises pas. Moi par exemple, Kundu Soumaré, il me demande des fois, mais Yimbi, explique-moi, l'esclavage chez les peuples, c'est comment? Ça veut dire que Kundu ne maîtrise pas ça. Mais chez les Soninké, Kundu est Kundu, un autre militant que je rappelle qui tient le blog Soninké Jose. Exactement, c'est un expert chez les Soninké, Kundu Soumaré. Il peut te, même quand on le réveille, il peut dire l'esclavage dans le milieu Soninké, c'est ceci, c'est cela, c'est ça. Les pratiques sont ceci, cela. Parce qu'en fait, c'est un peu maquillé. C'est plus l'esclavage, faire travailler quelqu'un, titi, tata. Malgré, il y a le travail. Par exemple, il y a quelqu'un qui me disait, non, les Soninké, il n'y a plus le travail. Je dis, si, il y a le travail. Aujourd'hui, les Soninké, par exemple, quand tu es d'une caste esclave, tu as une fille, tu prends ta fille, il va aller chez le maître, il ne va pas aller chez quelqu'un, c'est ton ancien maître. Il va l'élever. Et pourtant, ton ancien maître, sa fille, va à l'école. Mais toi, ta fille, il reste à la maison, il travaille, il fait les travaux de la maison, il s'occupe de des petits-enfants. Mais le contrepartie, c'est quoi? Le jour où elle va se marier, la maîtresse va lui préparer une valise, comme sa maman n'a pas le moyen et tout. C'est une contrepartie, c'est tout simplement ça. Donc, c'est de l'esclavage. Parce qu'elle n'est pas partie à l'école, elle a fait les travaux domestiques à la maison. Donc, c'est maquillé tout simplement parce que c'est une amie ou bien c'est quelqu'un c'est une parent qui est pauvre au village qui n'a pas le moyen, il m'a donné sa fille. Mais pourquoi toi, si tu te donnes sa fille? Elle a la même âge que ta fille, mais ta fille va à l'école, elle reste à la maison. C'est quoi ça? Donc, voilà. Et autre chose, c'est que c'est les pratiques qu'on appelle l'ADA. C'est la vie, c'est les pratiques de l'ADA. C'est tout simplement entre l'ancien maître et l'ancien esclave. Celui qui était ton esclave, tu gardes ces liens-là pour dire tout simplement à tes enfants, c'était un autre esclave. Donc, quand aujourd'hui, nous, on a voulu couper ces liens-là de l'ADA, ça leur choque parce que c'est comme si qu'ils perdaient quelqu'un. C'est comme si que, voilà, au Mali, c'est pourquoi les gens n'arrivent pas à supporter. Là, parce que je mélange les choses. Là, en Mauritanie, on nous dit, oui, vous voulez être des chefs de village, vous voulez être des imams. Mais oui, on veut être des chefs de village, on veut être des imams parce que c'est un droit acquis. Personne ne peut nous empêcher. Mais OK, on laisse ça de côté, ce n'est pas la même chose comme ils disent OK. Mais au Mali, là-bas, les Maliens, ils ont dit que nous, on ne veut pas être chef de village, on ne veut pas être imam. On veut juste couper ces ladas-là. Mais là-bas, on les frappe, on les lèche. Vous avez vu certainement des vidéos, même si c'est par hasard. Donc, cela veut dire que tout simplement, les gens ne veulent pas laisser ces ladas-là pour eux. Arrêtez de faire ces ladas-là, c'est comme si que tu dis à un musulman d'arrêter de prier. C'est tout simplement ça. Ça équivaut à ça. Alors, on aura compris à peu près, Yumbi Nkuma, avant de s'engager avec Mwaka dans une approche un peu plus artistique, je voudrais revenir sur le son que vous avez fait avec Ahmed Mal, dans lequel vous parlez de « on ne se baigne jamais dans le même fleuve », voilà, vous étiez, si le papa de l'un était propriétaire terrien, le papa de l'autre également l'a été, mais quand vous dites « on ne se baigne jamais dans le même fleuve », moi je pense à la philosophie stoïque grec, c'est aussi votre façon de voir, ou bien en tout cas, même si vous reprenez ces mots qui je pense sont des épithètes, qu'est-ce que cela évoque dans votre bouche? Tu ne te baigneras pas avant tout d'abord, je veux dire, c'était la première fois où je rappelle sur un texte que j'ai pas écrit. Ce texte a été écrit par quelqu'un, c'est une grande personnalité en Mauritanie, mais il m'a dit de ne jamais dire son nom. Il m'a donné le texte, il m'a dit de le chanter. Il a écrit ça à sa façon et tout, il m'a expliqué et tout. J'ai regardé ça avant dans mon sens aussi et j'ai accepté de faire ça. Mais quoi qu'il arrive, l'objectif de ce texte aussi, pour moi, c'était aussi de comme des gens comme toi, des gens qui ne sont pas soniqués, de comprendre réellement ce qui se passe dans cette communauté. Voilà, c'est exactement ça. Merci bien. Mwaka. Alors, Yimbi, vous avez choisi la musique comme moyen de communication au service de votre cause, qui est celle de la lutte contre l'esclavage, les inégalités sociales, sous toutes ses formes et particulièrement au sein de la communauté des Soninké. Donc, ces causes, ce sont des causes qui sont nobles et même très nobles, je dirais, et c'est des combats qui ne laisseront personne indifférent. Tous auront leur mot à dire, qu'ils soient dans un camp ou dans l'autre. Donc, ce débat, c'est certain qu'il mérite plus d'une attention et qu'il ne manquera pas d'avoir lieu. Cependant, je ne pourrais pas non plus parler de la cause et oublier la musique qui va avec, étant passionné de son. Mon analyse ne pourrait être portée que sur cette cause, qui est encore une fois très noble. Voilà. Merci. Donc là, j'ai envie de parler de musique avec vous. J'ai envie de parler d'harmonie et de sonorité.
Donc, j'ai envie de parler de texture musicale, de flow, de rap, et de toutes ces choses qui nous permettent de quantifier et de notifier un son à sa juste valeur. Donc, Yimbi, en écoutant votre rap, je trouve un peu dommage que le discours ait autant primé sur le son. Ce qui me mène à vous poser cette question de façon très directe. Pensez-vous que le rap aujourd'hui n'est que message? En tout cas, moi, je dirais que si, je l'ai même dit, si ces réseaux sociaux existaient à l'époque où je commençais à faire le rap, je n'allais pas rapper. Parce qu'il y en a qui disent que l'amour, c'est la musique, j'adore la musique et tout. Moi, je dis que j'adore le message, j'adore faire passer le message. Moi, ce n'est pas j'adore la musique, c'est dans le sang et tout. Non, moi, la musique, il n'est pas dans le sang. Moi, c'est le message qui m'intéresse. Moi, c'est ce que je veux. Des fois, on me pose, Yimbi, est-ce que tu veux être célèbre? Je dis, oui, mais à une condition. Je veux être Michael Jackson, mais pas être comme Michael Jackson. Ça veut dire que Michael Jackson, il était célèbre, il avait l'argent, il utilisait sa célébrité pour... Je ne sais pas, c'est des accusations, avoir des enfants et tout, avoir... Avec des enfants, tout, c'est des accusations. C'est gratuit, avoir... c'est gratuit, Yubikuma. Oui, oui, voilà, c'est pas moi qui dis, c'est des... Ouais. Mais moi, je dirais qu'ils utilisent le succès de Michael Jackson aujourd'hui pour être utile pour mon pays, pour ma communauté. Parce que je sais qu'aujourd'hui, si j'étais Michael Jackson, je dis, oh, regarde, au Mali, il y a l'esclavage, regarde, là, en Mauritanie, il y a des esclaves. Tout le monde allait m'écouter, ils vont s'intéresser à ça. Mais aujourd'hui, comme je ne suis rien, au Mali, là, depuis un an et demi, ils font tout à des militants comme moi et je n'ai pas de force, je n'ai pas la puissance pour dénoncer ça. Donc, Yimbi, si je comprends bien, si vous avez utilisé le rap comme moyen de communication, c'est parce qu'à la base, quand vous avez que commencé, le seul moyen qui s'offrait à vous était le rap. Oui, c'est ça que j'ai dit. Je trouvais que si les tendances étaient inversées, si à l'époque vous aviez les moyens comme les réseaux sociaux, le pouvoir d'être un influenceur, peut-être que vous ne serez pas un rappeur. Non. Puisque ce que vous importe est le message. Le message, d'abord, ensuite, il y a le son. Merci pour la précision. Merci, Yumbikuma. Nous allons passer, en tout cas, aux questions déjà des auditeurs dans une première partie. Je précise que, voilà, si vous voulez que vos questions soient lues ici en face de notre invité, il faut les mettre sur la page rmifo.com parce que dans les groupes, malheureusement, nous ne pourrons pas aller jusque là-bas. Et il y a quelqu'un qui nous a entendu, on lui en remercie. C'est Yvan le Baron. En tout cas, merci en tout cas, d'avoir écouté ça. Merci surtout de nous regarder. Et votre parole, elle est forcément toujours la bienvenue ici, je le dis. Et également, permettez-moi de passer, je te donne la parole tout de suite, permettez-moi de passer un grand big up, en tout cas, à l'un des artistes phares et majeurs de la Mauritanie, je veux bien nommer Emo Enza. Donc, je pense que vous êtes très d'accord avec moi. Il a été avec nous au RMI Awards, malheureusement, Yumbikuma n'a pas pu être là. Donc, on a besoin de toi ici. Monza, c'est un exemple. C'est un alors, donc, Monza, tu es le bienvenu ici. Donc, pour les prochaines fois, bienvenue à toi. Alors, donc, Yumbikuma, il y a Yvan, donc, Flaubert, Fulbert. Le baron. Le baron. Depuis tout à l'heure, je suis en train de décorcher son nom. Désolé, cher frère. Alors, ta formation, tu la mettras en pratique au pays ou en France? Moi, ma formation, actuellement, c'est le confinement qui m'a un peu gêné. Je veux créer une association, mon association, parce que pour être éligible, pour avoir certaines subventions ici en France, on ne le donne pas à une personne physique, on le donne à une association. Une structure. Ou à une entreprise. Par exemple, les associations, ils n'ont que 10%, par exemple, parmi les subventions. Mais pour avoir les gros, il faut être structuré ou bien être affilié à une entreprise. Aujourd'hui, mes partenaires, que moi, je prie aujourd'hui, que je sais que demain, j'ai la chance d'être avec eux. Je vais balancer le nom de label, Monza, il connaît. Il y a Bicos et il y a Escorpio. Ça, c'est des gros labels ici en France. J'ai vraiment espoir parce que j'ai des gens là-bas que je connais qui travaillent. J'espère vendre des licences avec eux. Donc, j'espère que quand je vais créer mon association, et je ne vais pas mentir, moi, Yimbi, je ne vais pas mentir. Ma priorité, ce n'est pas les artistes mauritaniens. Parce que là, moi, ce que je fais, c'est du music business. Donc, ce n'est pas que de la musique, c'est du business. Ah non, je ne vais pas mentir, c'est du business. Donc, mais tu vas décevoir, Yvan. Je suis tout à fait d'accord. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce propos. Je vais vous dire mon plan. C'est important et pour les en vivre. C'est que pour qu'un label, pour exister, si j'ai mon association, si j'arrive à, je cherche en France à trouver deux artistes qui vont me faire percer, cela veut dire que dans une année, dans deux ans, je vais sortir de l'estatut d'association en l'estatut d'entreprise. C'est ça mon rêve. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Oui, voilà. Donc, quand moi, maintenant, j'ai mon estatut d'entreprise en tant que label,
là, j'ai des artistes, je peux profiter, faire aider les rappeurs mauritaniens aussi. Mais aujourd'hui, on aura compris. Je ne peux pas vendre à Yumbi Kouma, désolé, je t'arrête. L'émission est, comment dire, le temps court. On doit mettre fin à l'émission à un moment donné. Je pense que voilà, on aura compris pour la question d'Yvan. Yumbi Kouma cherche d'abord à structurer, à être prêt. Et une fois qu'il sera prêt, il embarquera toutes les personnes qui sera possible avec lui, qu'elles soient mauritaniennes ou pas. Donc, je passe à la seconde question. Yumbi Kouma, je vous prie de répondre de façon très succincte, donc très rapidement, en 50 secondes si possible, parce qu'on a, plein de questions. Beaucoup de gens vous suivent, beaucoup de gens ont des questions pour vous. Alors, comment peut-on lutter contre les inégalités sociales en Mauritanie, surtout quand on sait que l'État ne fait aucun effort par rapport à ce sujet? Yumbi Kouma, vous menez un double combat, à savoir le combat contre l'État, mais aussi contre la société soninké. Alors, comment vous vous organisez? Une question de Souleymane Yaya. Bon, je n'ai pas bien compris la question, mais de toute façon, si tu peux répéter, s'il te plaît, je vais me concentrer. Alors, il vous dit, vous menez un combat contre l'État mauritanien et aussi contre la société soninké. Comment vous vous organisez? Question structuration. Comment est-ce que vous vous organisez? Attention. Donc, moi, je dirais que moi, je ne vais pas mentir. Moi, je vais être clair avec vous. Je vais être très clair avec vous. Avant l'arrivée de Gambanakou, moi, je parle de moi, je ne parle pas de Gambanakou. Moi, Yumbi Kouma, si les gens me connaissaient, je faisais un combat contre l'État, oui. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, moi, Yumbi, je ne combats plus l'État mauritanien. Je dénonce certaines injustices, mais je ne combats pas l'État parce que je sais que ça ne m'arrange pas. Parce que moi, pourquoi ça ne m'arrange pas? J'ai des féodaux hyper puissants qui sont avec l'État. Donc, mais oui, non, c'est une stratégie que moi que j'ai pris. Donc, si je mets. Vous êtes peureux ou vous êtes lucide? Voilà, ils vont dire que le mec, il est contre vous, l'État, il est de Biram et tout, ils vont m'écraser vite fait. Je suis impuissant. Donc, moi, je mène mon combat, je dénonce le truc mauritanien, c'est-à-dire l'esclavage dans le milieu soninké, en ne blessant pas l'État, parce que l'autre, il a un seul but, c'est de voir Yumbi écraser l'État, dire « Oh, celui-là, c'est un ennemi de l'État pour que l'État m'écrase et que mon combat, personne n'en parle. » Merci Yumbi, on aura compris. On ne combat pas l'État mauritanien. Merci Yumbi, on aura compris, en tout cas, dans votre organisation, vous ne combattez pas l'État, vous combattez le féodalisme dans le milieu soninké. Ça, on l'aura compris. Donc, question de notre grand monsieur Ismaël Camara. Encore merci à lui d'avoir posé cette question sur rmi.info.com et pas dans un groupe. Bonsoir Yumbi, il vous dit. En parlant de Gambanakou, désolé si j'ai mal écrit, j'ai eu comme l'impression que vous teniez à justifier un non-rapport avec le dit mouvement qui dénonce une féodalité qui discriminerait une partie de la composante soninké. Qui dit hip-hop pense à l'engagement, à la dénonciation et toute forme d'injustice. Ma question, que pensez-vous du mouvement Gambanakou? Quelle est votre position face à leur combat? Au combat de qui? Des autres associations? Gambanakou. Au combat de Gambanakou. C'est-à-dire le combat de Gambanakou, je n'ai pas compris. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Le combat de Gambanakou, c'est un combat noble. C'est tout simplement, tout ce que je passe, c'est un combat noble. Mais le combat de Gambanakou ne peut pas aller aussi sans les autres. Le combat de Gambanakou, c'est le combat qu'il ramène au niveau national et international. Mais nous, c'est juste le milieu soninké. Voilà, mais on a des partenaires aussi comme IRA, comme d'autres, comme SOS Esclaves. Donc voilà. Alors, c'est tout de même, nous menons un combat très noble. Seydou, si vous permettez, j'aimerais bien rebondir sur ce point-ci. Oui, en fait, je pense que la question du grand frère, de mon grand frère en l'occurrence, c'est votre position, vous, par rapport à Gambanakou. Parce que là, il y a eu la compil qui est sortie qui porte le nom de Gambanakou. Donc, on ne peut pas dire que c'est une compil, c'est un album, c'est vendu comme tel, et ce n'est pas exactement lié à l'association. Parce que sur cette compil, il y a eu des artistes quand même qui ont mis leur nom et leur image. Voilà, donc on se demande, est-ce que ces artistes, est-ce qu'ils sont mis au courant des activités de ce mouvement? Est-ce qu'ils défendent les mêmes idéaux? Sont-ils associés d'une manière ou d'une autre? Vu que cette association, voilà, ils ont quand même associé leur image à leur nom. Effectivement, comme je dis, ce n'était pas un truc que tout le monde connaît, tous les artistes qui ont participé dans la compilation connaissent que Gambanakou, c'est un mouvement qui lutte contre l'esclavage. Dans le milieu mais soninké. Tout le monde, mais je ne vais pas le cacher, tout le monde, mais sauf Rimso, et tout le monde, ils sont d'accord, pas pour ses collègues, mais ils trouvent le combat contre l'esclavage, c'est un combat qui est noble. Effectivement, même Rimso Niké, ils trouvent que le combat, c'est un combat noble. Mais l'objectif de venir de Rimso Niké dans la compilation,
ce n'est pas pour lutter contre Gambana, où il s'en fiche tout complètement ça. Lui, c'est la musique qu'il a amenée et la, le rap mauritanien. Mais ce n'est pas Gambana ou autre chose. Mais sinon, les autres, je les ai bien expliqués. Alors, voilà. Donc, c'est on aura compris, en tout cas, que vous avez été transparent, vous avez été clair, en tout cas, c'est ce que vous dites avec ici. Tout le monde. Personne ne peut m'approcher. Donc, je poursuis. Alors, on a évoqué tout à l'heure la SACEM. Il y a Fadel, comment dire, Didi Camara. Vous le reconnaîtrez, cher chroniqueur. Bonsoir, Fadel. En tout cas, il apporte une précision. Il dit l'enregistrement à la SACEM est aussi valable et nécessaire pour les artistes mauritaniens au pays. Donc, c'est valable, c'est possible de le faire. Un artiste comme Advaiz est inscrit à la SACEM. Toutes ses musiques sont protégées. Ses vues sur YouTube sont comptabilisées. Donc, les autres artistes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez protéger vos œuvres. Inscrivez-vous. Mais non. Je vais mettre quelque chose. Il dit que ses vues sur YouTube sont comptabilisées. La SACEM n'a rien à voir avec des vues sur YouTube. Ça, je le mets tout de suite là. Mais oui, il est inscrit. La SACEM n'a rien à voir avec. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. C'est la vue que YouTube, c'est YouTube. SACEM, les vues de YouTube ne sont pas comptabilisées sur les droits que tu devais avoir à la SACEM. Oui, la SACEM, les droits c'est que plus tu devais avoir. Les, et il y a aussi d'autres droits, par exemple, les droits voisins. Je ne sais pas, beaucoup aussi. Je ne sais pas si vous connaissez s'il y a des droits. Voilà. OK, bon, tout ça, c'est en tout cas, c'est les termes juridiques qu'il faudra éclaircir à un moment donné. Il y a aussi le grand frère, donc l'imam Bonza, donc on veut nous passer le bonjour, qui nous apporte également des précisions, il me semble. Le problème est qu'en Mauritanie, il n'y a pas de bureau des droits d'auteur. Donc, on posait la question tout à l'heure, je pense qu'on a la réponse. Mais il y a déjà la loi. Donc, la loi existe, mais que la structuration n'existe pas. Tout le monde peut s'inscrire à la SACEM, même s'il réside en Mauritanie. Il y a déjà pas mal qui sont inscrits. Les droits d'inscription était de 121 € à la vie, à vie. Et maintenant c'est exactement 154 € pour les auteurs compositeurs, pour les éditeurs c'est 534 €. Merci à Monza pour cette précision, voilà, qui je pense apportera des éclaircissements à beaucoup de personnes, parce que nous on se permet de poser des questions, mais c'est pas nous forcément qui vivons les choses. Des artistes vont en savoir davantage, et on vous le dit, n'hésitez pas à vous rapprocher des gens comme Monza, comme vous avez vu, Yimbi Kouma, des gens qui s'y connaissent, comme surtout vous avez parlé de Monza. Monza, c'est un exemple. Moi, Monza, c'est le rappeur, le premier rappeur que j'ai vu et que je me suis approché à Mauritanie et qui m'a ouvert les bras. Et c'est mon idole. Et je l'ai toujours dit quand on est en face à face, j'ai dit, moi, je marche sur tes pieds. Tu es devant moi. En tout cas, en espérant qu'il continue en tout cas à avancer plus loin. Avancer. Mais c'est beau. C'est beau cette fraternité. On va poursuivre. Donc, on va revenir aux questions des auditeurs, en tout cas des internautes tout à l'heure, parce que cette émission, certainement, elle est intéressante et instructive. Je le dis, ce n'est pas parce que je l'anime, mais bientôt, vous aurez Youssouf Chedi ici et moi, je serai de l'autre côté de l'écran pour en apprendre davantage et puis en savoir davantage, parce que moi, il y a beaucoup de choses que je découvre ici. Mahmoud, je pense qu'on va passer à la prochaine question-analyse. Oui, avant de passer à cette analyse, je vais un peu rebondir par rapport à votre combat. Je vous avais posé une question, vous n'avez pas apporté assez de précision. Ah oui. Je disais, est-ce que Gambana Rou a fait évoluer les mentalités pour vous depuis qu'ils ont commencé à opérer ou pas? Beaucoup, je dis énormément, parce que, imagine, avant l'arrivée de Gambana Rou, on était à RMPS. Mm-hmm. Et on avait du mal à réunir dans les villages et partout. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de Gambana Rou, il n'y a pas un village soninké où on n'a pas à peu près 100 militants. Il n'y en a pas. Tous les villages soninké, peut-être qu'il y en a qui sont plus actifs que d'autres, mais cela veut dire que ça s'est propagé. Donc, cela veut dire que les mentalités aujourd'hui sont tellement ouvertes et... Je ne sais pas comment t'expliquer. Gambana Rou, c'est autre chose. En fait, il fallait que Gambana Rou soit là, parce qu'aujourd'hui, la communauté soninké, même si la paix revient, même si les gens s'entendent, ça ne sera plus comme avant. Par exemple, une chose, avant, en Mauritanie, tu peux voir un jeune, tu lui dis, oh, sale esclave et tout, dans le Guitimara, dans les mentalités sauvages et arriérées. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas dire ça. Aujourd'hui, depuis l'arrivée de Gambana Rou, tu ne peux pas rester avec une personne dans l'âge, tu lui dis esclave. Avant, ça existait. Mais aujourd'hui, tu n'oses pas dire ça. Avant, okay, aujourd'hui, quand tu es une personne esclave, tu vas regarder tes côtés, est-ce qu'il y a un militant de Gambana Rou ou il n'y a pas? Tu vois, ok, merci, c'est gentil, voilà, et ça nous permet d'en savoir plus. Ah, ça a évolué énormément. Oui. Donc,
Comme on peut le voir dans votre biographie, vous avez beaucoup tourné votre bosse en participant à des festivals, notamment on parlait du Grand Monza. Vous avez Ah ouais. participé à Salam Aleikoum en 2010, à des émissions comme Global Hip Hop ou à Ouais, Couleur, avec Dynastie. voilà, ou à Couleur Tropicale de Claude Issiard Oui, sur avec RFI. Claudicia. Et merci de ne pas oublier Rime Croisé. C'était le Rime premier DJ. Croisée, ouais. Ouais. Ah oui, Rime ah Croisé, oui. pas s'oublier. Vous avez même organisé quelques concerts. Vous Ouais. avez un style de musique, comme vous le disiez tout à l'heure, qui est plus axé sur le message, sur les codes de la musique actuelle. Exactement. Donc, un peu comme d'autres artistes qui ont laissé la musique pour aller vers une autre Vers l'argent. carrière, on voit que vous évoluez vers la gestion, la production et autres, plutôt qu'à vous produire vous-même. Donc, en allant dans ce sens, vous voyez-vous plus comme un rappeur ou plutôt comme un businessman dans ce milieu? En Enfin, tout pour faire cas, ma somme, quelle pourrait être la nature de votre prochain projet? Ce qu'on pourrait attendre de Yimbi. ouais, Est-ce que moi je dis que c'est un c'est Yimbi possible. Kuma? Il va Je mets venir. au bout. Moi Donc, est-ce que aujourd'hui. c'est un Yimbi Kuma qui embrasse les codes de la musique actuelle pour faire un album ou une mixtape? Ou bien c'est un Yimbi qui va produire la prochaine révélation du hip-hop mauritanien? Moi, en tout cas, mon rêve, Français. si vous me demandez mon rêve, je dis ça avec toutes les gens avec qui je discute. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai 36-7 ans bientôt. Ce n'est pas moi qui va faire avancer le rap mauritanien, ni le rap soliké. Parce que je suis vieux. Si j'étais aujourd'hui au niveau de DJ Awadi, je pourrais continuer de faire la musique des concerts parce qu'il a cartonné et il est parti jusqu'à un niveau. Mais je suis Yimbi, à 37 ans, je n'ai pas cartonné. J'ai tordu mon fène. Je n'ai pas cartonné là où je devais cartonner. Donc, si je peux être utile, ouais, je peux sortir des sons maintenant par plaisir pour passer des messages, pour des buts voilà, lucratifs comme pour Gambara ou autre chose. Mais mon rêve, c'est comme tu as dit, mon nouveau projet aujourd'hui, c'est du business. C'est aussi profiter de ce business-là, si je réussis bien sûr, de faire connaître une révélation mauritanienne. C'est tout. OK, donc Voilà. le prochain 50 Cent, quoi, on espère. J'aimerais être Dr. Dre et Eminem. OK. En tout cas, le rêve, c'est pas cher et celui qui ne rêve pas ne fera Voilà, pas il faut grand-chose. rêver. C'est certain. Moka, la prochaine question. Alors, je vais plus aller dans la continuité de ce que Mahmoud était en train de dire. Donc là, vous voyez, bon, vous inscrivez plutôt vers une carrière de producteur et manager. Déjà, Exactement. là, est-ce que vous allez juste faire du manager à des artistes ou bien uniquement de la production? Comment? Est-ce que vous allez juste faire du manager à des artistes ou bien uniquement la production où vous allez embrasser bah, les deux? Produire et manager un artiste ou bien uniquement le produire? Là, moi, en fait, je vais faire en tout cas en global les deux. Mais quand j'ai mon structure, il y aura tout ça. Mais là, je porte les deux casquettes. Et même, pour vous dire aussi, je vais vous donner même actuellement le livre d'Épices en certains temps que je lis. Et je conseille aussi des artistes, surtout côté africain, de lire ce livre de management. C'est écrit par un label manager de Belive qui s'appelle Magali Wara. Vous pouvez le retrouver sur Facebook. Magali Wara. Le livre, ça coûte combien? Ça coûte 7 euros sur Amazon, le livre sur votre téléphone. Sinon, le livre physique, vous pouvez l'avoir, ça coûte 15 euros comme ça. C'est un très bon livre et il détaille tout sur le management et comment réussir. C'est quelqu'un qui a fait plein de choses. Elle était sur M6, je ne sais pas, elle a travaillé sur plein de choses. Et même, elle a travaillé avec Claudie là où, comment on appelle ça là? La musique là, qui est en Afrique du Sud là, on appelle ça quoi encore? Oh, ne me demandez pas. La musique en Afrique du Sud, L'émission qui est sur TF1 qu'on refait en Afrique là. c'est tellement large. Je The peux vous dire que l'Afrique du Voice. Sud, c'est The le Voice pays dans Africa. lequel Joe vend Ok, plus d'albums. The Voice Africa. Ouais. Donc, elle a ménagé Je aussi pense que j'ai beaucoup. fait De ça toute en façon, vous Côte pouvez d'Ivoire. vous renseigner. Elle s'appelle Oui. Magali Wara. Magali Wara. W. Donc, voilà. Donc, cela veut dire que je lis son livre. Donc, ça m'aide aussi à accompagner. Mais toutefois, maintenant que les structures sont faites, on va trouver un attaché de presse. On va trouver Titi Tata, peut-être moi aussi je prendrai un rôle. Mais pour le Voilà. moment, je porte En les deux fait, casquettes et je pour le posais moment, la c'est moi question qui vais parce aller que. chercher l'artiste qui va exploser mon Tout à label, fait. mon futur label Rhyme Alors, City je posais la Production. question parce que je me disais, si moi aujourd'hui je suis jeune artiste, un jeune artiste un Mauritanien qui est en Mauritanie, ou bien voilà, dans une autre ville, et que je vois la vidéo, je vous entends pour parler, je suis convaincu par votre discours, voilà, j'aimerais aborder la musique d'une façon très professionnelle.
avec une manière bien structurée. Donc, je viens Exactement. vers vous. Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il faudra pour moi, jeune artiste, pour que vous puissiez vous intéresser à Bon, moi? moi, Est-ce que c'est je dois que. venir avec un bagage ou bien... Aujourd'hui, je ne Allez-y. vais pas vendre du rêve. Aujourd'hui, là où je suis, moi-même, je cherche, j'ai appris et je vais continuer à apprendre et je veux mettre quelque chose en place. Je peux être un conseiller pour lui, je peux le Qu'est-ce qu'il conseiller. C'est faudra tout ce que je peux lui pour moi, apprendre. Je jeune peux, bagage? je ne peux que le conseiller. Mais aussi, ce que je peux faire aussi, si, je le dis aussi, si les artistes mauritaniens aussi, j'ai contacté beaucoup de labels, beaucoup d'artistes, certains même ont signé avec moi, s'ils veulent distribuer leur musique partout dans le monde via Believe, je peux le faire. Il y a des labels et des artistes qui ont signé aussi avec moi pour distribuer leur musique. Maintenant, il faut qu'ils essaient de se professionnaliser. C'est-à-dire les grands, ceux qui sont grands, c'est que moi, je sais que certains artistes, je sais qu'eux, ils peuvent vendre la musique mauritanienne. Ils peuvent vraiment, quand leur musique sort, là, ils peuvent vraiment représenter la Mauritanie. Moi, je peux me battre à côté d'un label manager de Belif, dire, essaye de trouver un playlist pour cette musique-là, et pour cet artiste-là. Voilà, par exemple, simple exemple. Hamza Brown, par exemple. Oh là, je sais que c'est là qu'il fait de la bonne musique. Donc, je vais essayer de dire, lui, il est comme ça. Donc, ils vont aller vérifier. Parce que si je vends quelqu'un qui n'est pas. Aujourd'hui, on peut vérifier tous les artistes. Donc, quand le label D'accord. manager il va voir quelqu'un de Spotify, il va lui dire Hamza Brown, ceci, cela, ou bien Latimore, ceci, cela. Donc, il va aller vérifier sur le net. Il va c'est qui Latimore. Donc, il ne faut pas vendre quelqu'un comme ça aujourd'hui par hasard. Ils vont aller vérifier. Donc, on vend quelqu'un qui est vendable. Donc, maintenant, comme tu as dit ta question, je ne peux que conseiller aujourd'hui. Mais là, j'ai un projet. Et ce projet, moi, je ne fais jamais quelque chose à moitié. Quand je fais quelque chose, je le fais en plein temps. J'ai des contacts, j'ai tout. Je veux commencer à vendre peut-être dans 6 mois, si j'arrive à vendre 2 licences, j'arrive à monter des deals avec Bicoz ou bien avec Titi Tata, je pourrais m'investir en Mauritanie pour essayer de les aider vite. Mais si je vais avoir ces deals-là et c'est signer ces licences-là dans 2 ans, dans 3 ans, ça va retarder les choses. Voilà. Parce que je ne peux pas commencer par la Mauritanie, dire la vérité, à l'heure actuelle, ce n'est pas rentable. Ok, on l'aura compris, Bikouma cherche, il est très lucide, il cherche à se faire pour pouvoir aider les autres également. Aider les Donc, je autres. pense qu'en tout cas, c'est très clair à peu près dans la tête de tout le monde. Je ne sais pas, chers chroniqueurs, si vous avez d'autres questions. On va passer encore aux questions des auditeurs avant de revenir vers vous pour une dernière prise de parole. Bikouma, donc, s'il vous plaît, encore répondez rapidement pour qu'on puisse passer à d'autres questions. On en a trois tout de suite là qui nous attendent. Il y a Moussa Kengotum qui vous demande pourquoi le Ah, rap au Moussa texte, Kengotu, ouais. voilà, pourquoi le rap au texte réfléchi n'est plus d'actualité. Bon, c'est comme Kery James avait lancé un mot comme ça la dernière fois, comme le rap, je ne sais pas quoi, qui est mort et tout. C'est parce que tout simplement aujourd'hui, vous savez que la musique, on dit la musique même qui n'est pas bonne, la musique qui n'est pas bonne. Quand on l'écoute, on l'écoute, on l'écoute, on l'écoute, au bout d'un moment, on est. Les neurones, je ne sais pas, l'acceptent. Tu vois, donc c'est comme ça. Aujourd'hui, les gens, ils ont tellement envie, ils ont, comment dirais-je, ils ont l'habitude d'écouter des musiques. Pour moi, la plupart, il y a des bonnes musiques, mais la plupart qui ne sont pas bonnes parce que c'est des musiques modifiées, avec des voix modifiées, qui sont vraiment corrigées par des logiciels qui ne sont pas naturels, qui ne sont pas bien posés, mais qu'on a tout fait pour les corriger. Mais les jeunes ont l'habitude d'écouter ce type de musique-là. Donc, quand quelqu'un fait de la musique aujourd'hui, juste pour le message, ça ne marchera pas. C'est comme Kery James et Booba. On voit Booba, pour moi, c'est un grand artiste, mais il ne fait pas quelque chose d'intéressant. Mais il est au top. Voilà. Mais Kery James, moi que j'écoute, qui fait des bonnes choses, mais qui n'arrive pas à décoller. Donc, c'est injuste, mais bon, c'est comme ça, c'est C'était l'époque. bon, si c'est vous qui le pensez, en tout cas, Ouais. bravo à Booba, bravo à Kery James. Ouais. C'est des artistes et chacun a sa façon d'être artiste. Il y a une précision qui vient de nous arriver, donc c'est Alpha Abdullah Junior qui nous dit: on ne se baigne jamais dans le même fleuve. Il parle de votre texte à propos, comment dire, du son avec Ahmet Mal. Donc, c'est ce que disait justement Héraclite, donc le philosophe. Il demande de vous l'évoquer dans quel sens, quel sens vous donnez, même si vous avez précisé ce texte vous a été écrit et que c'était la première fois pour vous qu'on vous écrive un texte. C'était dans quel sens vous l'abordiez ce texte-là? Parce que lui, ça Oui, l'intéressait en philosophe. mais de toute façon, on peut ne pas aller très très loin. Cela veut dire Oui. que même si on ne se baigne pas dans la communauté soninke, on sait qu'on ne fait rien ensemble. Par exemple, on ne se marie pas, on ne fait pas plein de choses ensemble. Par exemple, je parle par exemple maintenant, côté des imamas et tout maintenant. Cela veut dire que pour être imam, il faut être d'une certaine famille.
pour se marier, il faut être d'une certaine classe. Donc, ça veut dire que ça s'explique. Ce n'est pas compliqué de trouver dans la communauté sionique l'explication de certains trucs. OK, les choses changent. Alors, il y a Abdoulaye Sy. Donc, Abdoulaye Sy, bonjour Abdoulaye Sy. Je ne sais même pas si je dois lui dire bonjour. Abdoulaye Sy. Alors, si vous posez la question, quand on parle de production, on parle d'investissement. Tu es prêt à dépenser combien pour produire un artiste, il a précisé, mauritanien? Ben, c'est ce que j'ai dit. Actuellement, si j'ai réussi à faire l'album de Gambara Koufédé, qui a coûté toutes les dépenses, hein, qu'on a fait, concert et tout, ça dépasse les 3000 euros hein, et tout. Voilà, toutes les dépenses. Donc, cela veut dire que moi, maigre salaire-là qui se débrouille pour nourrir ma femme ici, j'aurais du mal à faire ça. Mais, comme il a dit, moi, je me structure pour avoir ces dons-là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Toutefois, si j'arrive à me structurer, comment je vais faire? Je vais vous dire comment je vais faire, juste petit exemple. Mm-hmm. Moi, je peux dire, par exemple, je ne sais pas, je suis en structure. Par exemple, quand on est dans ce milieu-là, par exemple, simple exemple, je suis un peu là, je viens Sony, simple exemple. Quand je dis Sony, je suis Yimbinkouma. C'est qui Yimbinkouma, il s'en fiche. Mais aujourd'hui, quand tu as une structure, tu es un label, tu es une société, déjà, d'avoir une société, tu es une grande personne, tu es quelque chose de très grand. Tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui fait ça. Donc, quand tu viens, vous allez parler entre professionnel et professionnel. Une personne donc, morale, ça marche. Voilà, donc c'est ça. Donc, tu peux dire, moi, je vis, advice, exemple, tout bête. Mais je peux... si vous voulez, je peux vous faire signer advice, il est ceci, il est comme ça, mais en contrepartie, il faut que tu me donnes une avance de 20 000 balles. Ok, ça, ce sont des négociations. Ouais. Oui, il faut signer, il faut avoir une avance. Okay, et négocier. Ça et s'il voit advice, il s'intéresse, il voit ses rentables, advice va être rentable dans les 5 ans, dans les 10 ans, ben, il me donne mes 20 000 balles. Et peut-être qu'il y a des gens, si je suis malhonnête, je viens voir advice, je lui mets dans la merde. Je dis, Advice, tu as 2000 balles. Voilà, je te fais signer un label. Advice, il arrive là-bas, il va faire 5 ans là-bas, signer 5 ans. Il faut... Parce que les labels aussi, ils ont des priorités. Ce n'est pas tous les artistes qui vont. Ils peuvent signer 200 artistes sans leur faire preuve. Donc maintenant, deuxième étape, il faut se battre pour que Sony qui a signé, pour qu'il puisse faire pour Advice, il ne faut pas qu'Advice vienne dormir là-bas. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont signé et tu ne peux plus rien faire. Ton label ne te fait rien, la maison de disques ne te fait rien et tout. Donc, c'est un double jeu. Moi, j'essaie d'être le meilleur. Voilà. Quand j'engage quelqu'un, je devais me combattre. Quand j'engage quelqu'un, je devais être là pour lui. Ce n'est pas facile, c'est très difficile tout ce que je dis. Ce n'est pas cadeau, mais je vais m'y mettre. Là, je n'ai pas assez d'expérience. Je suis avec des gens, je suis accompagné des gens qui ont de l'expérience, qui le font, qui vendent des licences, qui montent des deals, qui signent avec des labels, qui ont des subventions. Ça veut dire que moi, et mon label, même si je ne suis rien, je peux être affilié, par exemple, à Sony, ou bien pas Sony, à Scorpio, comme je dis, because là-bas, j'ai des contacts. Eux, je leur donne le marché, ils me donnent quelque chose, ainsi de suite. Tout merci. Ça se fait. Mais bon, merci. Je suis maintenant... En tout cas, on aura compris, voilà, c'est tout un deal, c'est tout un business qu'il faut savoir mettre en place. Je signale également encore que Monza, donc décidément qui nous suit, merci encore une fois, il vient de laisser un commentaire super intéressant sur la monétisation sur YouTube et tout ça, sur la page Rimcroisée sur rmf.com. Malheureusement, je ne pourrais pas tout vous lire, mais c'est très intéressant. Je vous invite absolument à aller checker ce commentaire pour justement savoir comment monétiser vos productions artistiques qui sont visibles à travers les réseaux sociaux. Nous ne sommes plus très loin de la fin de cette émission. Je vais redonner la parole à Mahmoud et à Moka. Mais Yimbinkouma, avant d'avancer plus loin, le dernier concert auquel tu as participé, c'était lequel? Waouh! Ah, quand on est dans la musique, il faut y être. Oui, ben, tu sais, on n'a pas dit. Moi, il y a plusieurs années là, depuis. Ne me dis pas que c'était la sortie de l'album Gambana ou hein? Oui, bon, non, je n'ai pas monté sur scène. Donc, moi, je suis un artiste sans. Non, je parle juste des concerts auxquels tu as participé. Je n'ai pas dit où tu as chanté. Ah, ben donc voilà, c'est ça. Parce que je suis un artiste qui n'est pas en activité. Juste le nom d'artiste, mais je ne suis pas en activité depuis 2017, je peux dire. Donc, je ne me souviens pas, là, comme ça, ça vient. Ah, ça ne revient pas. Donc, voilà, tu as trouvé. Ok, Mahmoud.
Ok, d'abord, je veux dire un grand big up à Monza qui est en train de partager de la connaissance. Je pense que c'est très important que les artistes mauritaniens partagent la connaissance pour que le mouvement puisse aller de l'avant. Et je tiens à souligner aussi l'honnêteté et la lucidité de Yimbi Kuma. J'ai vraiment bien aimé ça. Il a toujours eu une analyse lucide et honnête par rapport à lui-même, par rapport à sa musique et aussi par rapport à son combat, ce que j'apprécie beaucoup. Maintenant, Yimbi, vu qu'on parle de ton honnêteté, toi, quelles sont les trois prochaines grosses stars du hip-hop Non, mauritanien? répète un peu, j'étais en train de lire le commentaire de Monza. Excuse-moi, tu disais? Non, Ok. non, 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 Yubi Kuma, il faut être dans l'émission. Oui, c'est ça, excuse-moi. Parce que Les disons que je commentaires, réponds c'est à pour les Monza. autres. Disons que Ok. je réponds à Non, Monza sur ça. Oui, tu je disais? disais qu'en tant que grand prochain producteur, en tant que le futur Dr. Dre de la Mauritanie, Amin, Amin. quels sont les trois prochains grosses stars du hip-hop mauritanien, à votre avis? À mon avis, Oui. ça a hésité, mais si je donne des noms, peut-être que les gens. Mais moi, en tout cas, les artistes que Pas je des vois gens établis. aujourd'hui. Non, pas donner des noms. Parle Pas de personnes établies déjà. Par exemple, Advisors, on sait que c'est une star Non, déjà. ça c'est des old school. Je parle pas, moi, Voilà. je parle des de nouvelles générations. Moi, Oui. je vois Alessandro Rendo, je vois Authentique et je vois Toubi. Et après, il y a d'autres. Par exemple, il y a Cap Picking, l'équipe de Cap et autre chose. Mais voilà, des fois aussi, on est plus proche. Des fois, on donne ses amis. Par exemple, je m'entends bien avec Alessandro Rendo, je m'entends bien avec Toubi, avec Ça, c'est Authentique. très mauritanien, ça. C'est trop mauritanien. Donc, on fait à la mauritanienne, on ne dit pas la Mais un vérité. producteur, Mais tu ces dois gens-là, chercher ils ont du partout. talent. Hein? Un producteur, tu dois chercher partout, pas seulement autour Ben de oui, je ton cercle. chercherai. Monza, ok, donc je vais juste, excusez-moi, Monza, là, ce qu'il a dit, il a raison que Believe n'investit pas sur des trucs. Ça, c'est la vérité. Sur les distributions, il n'est pas sur la bulle. Mais il y a une chose qu'ils font, comme j'ai dit, avec Monza, avec les label managers, ils peuvent t'aider à placer ton single ou ton morceau sur une playlist. Et c'est ce qui donne de l'argent. Voilà. Là, ils peuvent le faire. Merci. Parce En tout cas, nous serons très contents et très heureux de recevoir ici Monza pour parler Monza. justement de droit pour approfondir des Ouais, choses, parce que Monza, c'est c'est le comme vous king. dites, c'est C'est votre ça, c'est idole, le king. mais c'est surtout C'est le quelqu'un qui a maître. tracé la voie en Mauritanie en matière de Exact. rap, il a tracé la voie en matière de construction de structures. Tout le monde connaît Festival Assalamu Alaikum et tout ce qui est dérivé. Et il a construit aussi un personnage qui est respecté et demandé dans le milieu culturel africain et mondial, j'ai envie de dire tout simplement. Et Voilà. aussi, je vais répondre à Monza. Je suis Monza, là, il fait de la publicité pour lui. Là, il grille moi, mon distributeur Believe, et il met à vanter son distributeur Sony. Ah, non, 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 je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Believe est mieux que son distributeur. Yumi Kuma, on va faire simple. Oublie pas une chose. Ah ouais. Comment dire, que tu sois avec Believe ou autre chose, ou Not Believe, mais ce qui est certain, c'est que si toi tu réussis, si Monza est réussi, on est sûr que Non, mais beaucoup Monza, c'est un d'artistes grand frère. Je mauritaniens suis ses vont pas. réussir. Moi et Monza, il ne pourra jamais avoir de concurrence parce que moi, C'est c'est lui certain, qui c'est m'inspire. certain. Oui. C'est lui Mon qui cas. m'inspire. Il n'y a même pas De toute de. façon, voilà, il peut y avoir une concurrence. Du moment qu'elle est positive, bah, Oui, c'est qu'elle tout est le monde qui en positive. profite. C'est tout. C'est Voilà. ça. Voilà. À l'image de Mahmoud, j'aimerais bien saluer Oh. Mwanza, que je connais un peu, et j'aimerais bien le recevoir ici. On aura pas mal de petites anecdotes à Donc, raconter. On pourra Monza, t'es attendu. approfondir. Mwanza, on te réclame ici. On pourra approfondir toute la partie De toute production. façon, Tu es, voilà, Moka, je vais droit juste d'auteur préciser une et. chose. Monza, il n'a Oui. jamais dit non. Il se trouve juste qu'il y avait une concordance d'agenda qu'il n'avait pas pu se faire. Mais à chaque fois qu'on l'avait appelé pour lui dire de venir dans cette émission ou dans l'émission Rhume Croisée, il est partant. Donc, Youssouf Cheidi se fera le plaisir de le recevoir prochainement, accompagné de vous deux. D'accord. Alors, en tout cas, moi, j'ai hâte qu'on arrive à la question de la fin, ou la question où vous dites qui on aimerait recevoir ici. Donc, moi, ma réponse est Monza. Voilà. Déjà. Alors, Yimbi Kuma, alors, merci pour ces précisions, merci pour la présence et tous ces échanges que je trouve, moi, très productifs. J'en apprends plus sur vous, j'en apprends encore plus sur sur toute cette partie de structuration. Et j'aimerais aussi dire un message à nos artistes mauritaniens. Je suis qu'un fan, bien sûr, je le précise, à nos artistes mauritaniens, au label. Je pense qu'on aura tout à gagner si on se structure, si on met en place des structures de musique avec tout ce qui va avec, à commencer par des structures enregistrées.
le côté droit, il est très important pour que ces majors qui sont en Afrique s'intéressent à nous. Il faudrait qu'on ait quelque chose à leur donner. Et ce quelque chose passe forcément par des labels, par des choses qui sont bien structurées, des droits qui sont enregistrés. Donc, j'invite toute la plateforme urbaine mauritanienne à s'inscrire, à faire des recherches et essayer de voir comment faire de telle sorte qu'on puisse gagner de notre propre art. Parce que le but final, encore une fois, c'est de pouvoir vivre de ce qu'on fait. Si on est passionné de musique et qu'on en vit, il n'y a pas mieux. C'est sûr que là, déjà, avec nos artistes qui se donnent, nos labels qui se donnent, la production, on en a parlé, c'est galère de produire des sons, les mixer, la distribution, tout ça. Les gens ne se rendent pas compte, mais un album, c'est vraiment un coût. C'est un coût énorme. Et si pas derrière, on n'arrive pas à le rentabiliser, c'est comme de l'argent qu'on jette par la fenêtre. OK, je suis un passionné, je peux faire de la musique juste pour le fun, mais je ne peux pas le faire éternellement. Il faudrait bien qu'à un moment donné, qu'on en vive. Donc, qu'on pense à se structurer et encore une fois, qu'on soutienne nos artistes, qu'on les stream, qu'on achète le produit. Je trouve que c'est une leçon aujourd'hui. Et tout ça. Voilà. Alors, aujourd'hui la musique mauritanienne est beaucoup plus structurée que notre temps. Nous, on était là-bas en 2010. Il n'y a pas. Mais aujourd'hui, il y a des labels, il y a des artistes qui signent. Bien sûr. Franchement, ils ont beaucoup évolué. Bien sûr. On ne crache pas sur ce qui est fait. Ça, c'est certain. Voilà. C'est juste une invitation à en faire un complice. Voilà. Qu'on enregistre nos sons, qu'on enregistre le côté droit. J'ai envie d'aller plus loin. S'il y a un milliardaire qui nous regarde aujourd'hui, sachez que le milieu de la musique est le milieu dans lequel il faut aussi investir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste acheter des terrains, louer, mettre des boutiques partout. Il y a beaucoup qui le font. Mais c'est ça qui nous manque. Investir dans cette jeune qui veut créer de l'art et à ramener, pourquoi pas, des majors pour travailler à l'international. Donc, c'est un milieu dans lequel il faudra aider à structurer et à construire sur du point de vue droit pour que les jeunes puissent évoluer, parce que c'est un vrai marché qu'il faut construire pour pouvoir exporter des choses à l'international. C'est du business aussi. Il suffit juste qu'on ait un artiste phare qui est enregistré chez un major pour qu'on mette en orbite. Effectivement, voilà. Et que les autres, pour qu'ils viennent pour s'intéresser. Il suffit juste qu'il y ait... Monza et moi, il faut qu'on attache la ceinture pour avoir ça. On compte absolument sur vous et surtout sur les artistes pour produire beaucoup de choses. Mais il y a une chose. On aura compris, vous êtes un artiste, comme on a dit, multi-casquette. Vous avez produit des choses et vous avez essayé de construire des choses Vont arriver prochainement. Et vous avez aussi essayé de porter votre casquette de militant. Donc, cette émission, je rappelle, elle est faite justement pour montrer les artistes, pour mettre en valeur les arts mauritaniens. On n'a pas ramené ces deux personnes ici pour rien, Mahmoud et Moka. C'est pour qu'ils puissent donner en tout cas un regard positif, un regard constructif. Ouais, ouais. Ils ne sont pas obligés d'être toujours d'accord ou d'être pas d'accord, mais en tout cas, ils vont avoir un regard pour que les choses puissent se construire et aller de l'avant. Une fois qu'on aura dit tout ça, Yimbi Kouma, j'ai envie de vous dire quel est votre dernier mot. Mon dernier mot, c'est juste déjà Abdelaziz Guissé, qui est quelqu'un qui est un proche, qui est mon proche, et on partage tout et tout et tout. C'est mais tu ne vas pas dire que c'est mon grand frère aussi, pendant que tu y es? Oui, je le salue et qui m'a... Est-ce que tu ne vas pas dire que c'est mon grand frère aussi? Oui, c'est ton grand frère, il te connaît. Merci beaucoup Abdelaziz Guissé, le bonjour, le bonsoir. Et tu sais qui c'est qu'il m'a dit? Je ne savais pas, il m'a dit un secret sur toi. Oui, dis-moi tout. Il m'a dit que tu étais un excellent chanteur. Ça, je ne l'ai jamais su. Il a dit que tu souris avec une belle voix. Et ça, je ne le savais pas. Mais c'est intéressant. Je suis gêné. Franchement, il m'a dit ça. Pourvu que tous les secrets ne sortent pas, alors. Plus jamais je dirai, dis le secret. Ok, désolé. Je le salue de passage. Et mon dernier mot aussi, c'est... Merci, mon grand. Je voulais signaler que les rappeurs mauritaniens, ils ont une habitude. Je leur demande de grâce qu'ils arrêtent de faire ça. Ils n'ont pas confiance à nous. Ils préfèrent être confiance à un promoteur ou à un producteur sénégalais, malien ou autre, que quelqu'un de mauritanien. Ça, de grâce qu'ils arrêtent de faire ça. Il faut qu'ils aient confiance aussi à leurs frères. Bien vrai, peut-être qu'il y a eu des gens qui n'ont pas fait quelque chose, mais tout le monde ne sont pas pareils. Donc, il faut qu'ils nous fassent confiance aussi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça aura été l'appel de Yimbi Kouma. Avant de revenir au chroniqueur, Yimbi Kouma, j'ai envie de vous dire, qui est-ce que vous voudriez voir à votre place la semaine prochaine? Comme invité. Ah, comme invité, si on parle de Monza, Mauritanie, c'est le numéro un. Donc, si on a Monza, pour moi, c'est bon. À part Monza, ça a été déjà dit. Monza, c'était déjà dit. Je l'ai déjà dit, donc voilà. Moi, je dirais Advice de nous parler ou RG.
RGI, son association aussi. Il a une association qui me touche, qui me passionne aussi. Ces deux-là, moi, je trouve qu'ils ont quelque chose à nous dire. Advice RG, les invitations sont envoyées. Elles vont vous arriver la semaine prochaine. Et puis, vous nous direz si vous êtes disponible. On programme une émission. Ce sera avec vous. Donc, voilà la dernière partie de l'émission. On la touche. Mahmoud Moka. Moka, donc, comment dire, ton joker, c'est mort. On recommence à zéro. Qui est-ce que vous voudriez voir? Avec qui vous aimeriez échanger prochainement ici pour le bonheur des auditeurs et puis des internautes qui nous regardent? Alors, étant donné que mon joker est mon Enza et moi, bah, je dirais authentique. C'est intéressant d'avoir autant. Moi, je dirais un des jeunes rappeurs mauritaniens, comme le jeune PMD qu'on voit ces temps-ci, qui fait pas mal de freestyle sur Facebook. Sinon, peut-être PMD de Force Mind. Force Mind. PMD de Force Mind ou Capi King. Et pourquoi pas DJ Dakar. Ok, moi, je vais vous mouiller un peu. Et pourquoi pas penser pas à quelqu'un comme... comment est-ce qu'il s'appelle déjà, Mounamit Dendani? Vous avez parlé tout à l'heure de DJ Dakar. Moi, je pense également à l'album Mots de tête sorti récemment, Bahan. Voilà, et je pense également à d'autres personnes, c'est pas moi, Ousmane Gangue, pourquoi pas. Je rappelle, c'est une émission musicale, donc je pense que tout le monde y a sa place. Ah oui. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette émission. Voilà, on aimerait aller plus loin pour donner encore plus d'informations, apprendre de nous-mêmes, parce que nous-mêmes, on a appris beaucoup de choses. Yimbi Kouma, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation à l'émission. Ah, c'est moi qui vous remercie, parce que tellement qu'il y a tellement toutes ces personnalités en Mauritanie, même pas 5 numéros, vous avez pensé à moi, ça m'a vraiment touché. Mais c'est normal, donc c'est une émission qui est vraiment ouverte à tous, et parce qu'aussi tu fais partie des personnalités de la Mauritanie, donc il faut aussi penser à toi, parce que toutes les personnes, je vais juste dire une chose, rmiinfo.com, au-delà de cette émission, toutes les personnes qui font des choses méritent de sortir ici. Donc vous voulez qu'on parle, vous voulez qu'on vienne vous voir, faites quelque chose, parce que notre devise, c'est ne jamais laisser tomber quelqu'un qui fait des efforts. Donc vous faites des efforts. On viendra vous voir un jour ou l'autre. Ça peut prendre du temps, mais on sera là un jour. Merci Monza. J'ai dit Monza. Merci Moka. Merci Mahmoud. Merci Yimbi Kouma. À très vite pour un nouveau numéro de Face Moka, à l'actu. Mohamed, merci. Merci bien Monza. Merci Yimbi. Vous m'avez fait peur. Avant de vous affronter, j'ai regardé avec Yoro. Vous m'avez fait peur, mais vous étiez. Mais non, il faudrait pas. Vous voyez, on est gentils. Non, c'est des gentils.